Ça fait plaisir. Alors, du coup, bah, level up, hein, on va mettre toutes les chances de notre côté. Elle dort, t'es. La poupée qui dormait. Ok. Ok, je vais prendre l'ascenseur à droite, ça marche. Vu que tu chopes les magies super tard, effectivement un run arcane c'est chaud. C'est dommage, c'est mal équilibré en fait. Les arcanes, les runes, tout ça. Oui, j'ai le cordon ombilical en fait, Gawiji. Alors justement, je sais pas à quoi ça sert. Et j'en avais 3 dans mon run sur mon premier perso. Et quand j'ai fini le jeu, ils ont disparu de mon inventaire en fait. Eh bien, Kiwix, merci d'être passé. Merci beaucoup. Oui, j'ai trouvé le canon d'Atara. Mais je m'en suis pas servi parce que j'avais pas la force pour. C'était un perso skill. Donc ouais, je me demande à quoi sert le Wandsford of Umbilical Cord. Il y en a 3 cordons dans le jeu en fait, hein. Moi j'en avais 3. Et puis ça faisait du coup le cordon ombilical total. L'histoire du chapeau, quel chapeau? Attendez, sinon je vais jeter un œil au... au wiki, hein. Alors. D'accord, ok. Ouais, donc t'en as 4 et il faut en manger 3 en fait. D'accord, ok. Alors, va tout à droite du rêve de là où t'es. Tout à droite du rêve de là où je suis. Ouais, il y a le cimetière avec l'affrontement. Ah, tout à gauche. Donc là, il y a là où tu changes les items pour les. Pour les messagers, d'accord, certes, mais ah, attends, stop. Eh bien, bonne nuit, Lux, des bisous. J'avais même pas vu que t'étais là, je suis désolé.
Attends, quel chapeau, Gawiji? Parce que là, je t'ai perdu. On était sur le umbilical cord. Mais de quel chapeau tu veux parler, en fait? Ah, du chapeau pour les messagers, en fait? Ouais, le Red Messenger Ribbon, ça c'est bon. Hop. D'accord. Ouais, bah du coup non, effectivement. Ensuite tu leur, enfin, je vais leur mettre le top hat parce que c'est quand même le plus stylé. Mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, tu peux filer le ruban rouge en fait à au frangin de Viola en fait. Une fois que t'as trouvé le ruban. Donc on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Il va falloir aller où? Je pense que Tomb of Oedon. Ah putain, il a cassé le feu l'autre. Chier. Eh bien, bonne nuit, Vinoc, des bisous. Laissez-moi réfléchir. Central Yharnam. Ouais, Central Yharnam, c'est le plus rapide. Non, je suis en NG normal, l'Anfiros. J'ai mon autre perso en NG+, éventuellement. Mais je vais d'abord me faire sur une force avant de repartir sur le NG+. Tranquillement, en streamant, comme d'habitude dans la semaine. Parce qu'on est 200, ça fait plaisir. Content que vous soyez là. D'accord, Vinok voulait juste faire des bisous. Bon, bah ça va alors, s'il veut juste faire des bisous, il fait des bisous. Ah, ouais, c'est cool, Yogo. Enfin, Jogo, pardon. De toute façon, toi t'es censé mourir, c'est normal. Mais non, c'est pas par là. Le réflexe! Trot along, William. Oh, laissez-moi tranquille. Le chat des bisous gratuits, même quand on va pas dormir. C'est très bien. Moi, ouais, ça me va, ça me convient tout à fait. Mais du coup, j'ai raté un truc aussi quand tu tues la nourrice en fait.
T'as des trucs supplémentaires? J'ai dû rater la quête de violet, hein, de Viola en fait. Alors. D'accord, donc c'est après Rome en fait. Il y a plein de trucs à faire après Rome. Bon, j'allais dire, j'ai la flemme parce que ça va faire du temps de chargement, mais en fait, et je pense qu'il vaut mieux recourir directement, se barrer. Eh bien, bonne nuit, Tony. Des bisous. Pour le coup. Hop. Bah, pas de jeu NG+, parce que je voulais faire le jeu en NG normal et revoir et voir un peu tout ce que je pourrais, si j'avais pu rater en fait, à savoir les boss cachés, le vrai boss de la fin, les quêtes des PNJ, éventuellement tester un peu la magie, tout ça. Moi, je sais, t'aimes pas les étrangers. Voilà. Si vous avez voté pour le FN, voilà ce qui va se passer. Comme à Yarnam. Oui, c'est ça. Laisse-moi tranquille. Eh bien, avec plaisir, mon Vinoc. Je suis assez d'accord, Natigred, ouais. Je trouve que la magie est un peu sous-exploitée, outre le fait qu'elle arrive trop tard. Ah, Emwick Charnel, c'est peut-être pas la peine de faire Emwick. On va tenter du coup la vicaire. Ah, c'est cool ça, résistant aux foudres. Ah ouais, putain, bien résistante à la foudre en plus, hein. Waouh, ça rigole zéro, niveau résistance foudre. Et du coup, l'avoir tué, ça permet pas de choper. Son arme. Enfin, je crois qu'il avait un flingue, non? Non. Il y a le flingue de Ludwig. Qui fait je sais pas trop quoi. Est-ce que j'ai pas des bolt paper? De toute façon elle est sensible au feu là. La vicaire.
Bah, ce qui peut être intéressant, la magie, c'est les buffs d'armes, du coup, qui sont gratuits. Bah, après, je sais pas s'ils sont aussi efficaces, hein, mais. Mais j'ai encore jamais eu le coup des mouvements de la manette. D'accord, merci Vinoc. Ouais, je me doutais bien que c'était un gros tromblon, puisque en général, quand il n'y a pas beaucoup de dommages, c'est qu'il envoie plusieurs pellets. A priori. Je vais utiliser contre la. Je n'ai pas de bolt paper. Shit! J'ai voulu tester. C'est pas la voix de Chalcoir, non, je pense pas. Alors, avant de battre la vicaire, je vais aller voir les deux en bas. Je pense que je vais me faire défoncer, mais bon. Bah, je voudrais bien tester le Steak Driver. Il a l'air cool. Mais j'ai peur qu'il soit un peu foireux, en fait. Ouais, donc ils sont là, les deux. J'ai pas très envie de les affronter en fait. Il peut pas y avoir Aileen, genre pour m'aider, tout ça, tranquille. Ah, il me voit. Bon bah ça va, avec cette arme c'était plus facile qu'avec la canne. Ah voilà, Bolt Paper, très bien. Normalement il y en a. Chier.
Ah, tu me gaves! Tu me gaffes, putain, il est chiant, ils sont chiants ces deux-là. Ah. Bon, ces deux-là, je pense que ça sert à rien. Et ouais, du coup, la transformation en brume qu'on voyait dans les trailers, quelqu'un a réussi à débloquer ça ou pas? Coucher, coucher la mort. Ah, très bien, ça aussi. Non, merci, force Conrad. Yes. Ah, c'est les Beast Pellets, j'avais pas remarqué. Je crois que j'ai dû utiliser plusieurs fois, mais. C'est bon, au moins j'ai eu ce que je voulais, je m'en fous, je m'en casse.
Hop. Mais non. Je suis encore gouré de boutons. Mais je suis déjà allé à la prison moi, c'est bon, j'ai déjà visité dès le début du jeu. Parce que tu peux farmer assez facilement des âmes là-bas quand t'es bas level. Tu peux quand même te faire plaisir sur les chiens notamment, tu gagnes pas mal. Les cochons aussi. Tu te fais 3800 par cochon. C'est rentable. Salut Pachidou. Du coup on est bien. Non, non, il y en a toujours eu deux. Enfin, moi j'en ai toujours vu deux à cet endroit-là. One Cell King. En fait, tous les ennemis au sac, ils t'emmènent en prison quand ils te tuent la première fois. C'est systématique. Salut Badis. Bienvenue. Ah chier. Un peu la rage de Vials, hein. Merci pour le follow, Vachanesh, et tous ceux qui ont follow ce soir, évidemment. Je n'ai pas cité personnellement, mais je vous vois. Bah, je vais upgrader celle-là avec les shards. Et c'est une très bonne remarque, Cass, effectivement. J'y avais pas pensé, mais oui, 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 ça fait complètement sens. Tu te calmes direct. Et du coup, il n'y a pas les sorcières qui spawnent, mais c'est rigolo. J'ai plus d'Ial, je suis dans la merde. Eh bien merci Elon Furos d'être passé, content que ça t'ait plu. Salut Piejara. Jean-François Poney, bien le bonsoir.
Oh, les meufs, elles sont là, hein, dans le jeu. Oh là là, elles sont complètement là. Putain, il est pas mort! Il m'a fait le 1 PV. Ah yes! Putain, plein de Twin Blood Star de. Cette zone, c'est Birgenouvers, tout ça. Wow! Le freeze! Mais elle est cool cette zone quand c'est allumé en fait. Putain, en plus j'ai pas utilisé le feu, quel con, quel con, quel con, quel con, mais putain, mais c'est pas possible d'être aussi naze. Je me disais, elle va s'arrêter d'attaquer, c'est bon. Non, non. En plus, je suis con, mais il suffirait juste de spammer le tromblon. Et non, j'ai pas fait. Elle était tellement vénère. Eh bien, des bisous Kimou, merci d'être passé. Tiens, d'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi. J'avais complètement oublié. Bah oui, je vais retourner tout Hunter Dreams. Hop. Tout sera publié sur YouTube. Bah 10. Tout sera publié sur YouTube. Là, la partie 3 va arriver. Je vais la mettre à le... je vais la l'uploader cette nuit. J'essaierai de monter cette partie de ce soir-là le plus vite possible. Et tout y sera en tout cas. Non, c'est M-Week, pas Birgenverse. Eh bien, merci Serpent de Casse, effectivement. Bonne nuit aussi. Surimi, ça me donne envie de manger du crabe. Pardon. Bon, on met en rush, hein. Tant pis. C'est chaud, mais ça passe. C'est pas Vinok qui va dormir. Effectivement, c'est une façon de voir les choses, Nanatipoix. Il y a des handicapés, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des animaux, il y a tout. Voilà, c'est. Revanche!
Couché. Couché le corbac. Il n'y avait rien à looter là. Tout le monde en prend pour son grade. C'est gratuit. Voilà. En tout cas, on est bon. Putain, c'est rire quoi. Bonjour, c'est la démence. Pourquoi j'ai pas pu le... Putain de merde. Ouais, j'ai déjà terminé le jeu, pas de chidou, ouais. Sinon, des boss, je dirais entre 20 et 30 à vue de nez. Plus proche de 20 que de 30 quand même, mais y en a un bon paquet, mine de rien. Il y a 17 boss seulement? Putain, j'ai l'impression d'en avoir affronté je sais pas combien. Putain, deux fois le mec... Stun. Viscère à l'attaque. Non. Coup d'épée. Et bah va bien te faire foutre le jeu. Vraiment, va bien te faire foutre. Tiens, salut Rayou. Il me troll en plus au niveau du positionnement, cette espèce de FDP. Non mais si vous voulez que je vous tue les corbeaux, pas de problème, je fais un tarif de groupe, hein. Créature de merde. Il est bientôt le prochain boss. Oui, bah je peux aller faire un boss quand j'ai envie, mais du coup je... Sérieusement quoi. Connerie de putain de caméra de merde. Évidemment, tu peux pas foutre le feu en plus, hein, à la grange. Yeah, that was close, Focus Tree. Salut Helsing.
Nice. Je vais peut-être pouvoir upgrader mes armes à plus 6 là si j'en ai suffisamment. Alors je peux faire du coup je peux bien upgrader là hein. Je peux faire un plus 5 et un plus 8 sur mon marteau. Lâche-moi. Je suis pas ton ami. J'avais la torche. J'arrivais pas à choper le bon setup d'armes. Je disais, ah non, pas le marteau à deux mains. Non, ah putain, merde. Je sais pas si ça s'est vu, je pense que oui. Je suis trop présomptueux en fait. À chaque fois, je me dis qu'en deux coups, je les tue, mais non. Tricher. C'est pas bien. Je sais, je tape à travers les murs, c'est pas une bonne idée, mais bon. Du coup, est-ce que c'est le moment d'aller me faire le boss de la sorcière? Est-ce que j'ai le level pour? J'avoue, je sais pas. Bon, déjà, on va débloquer ce raccourci. Ça va déjà être une bonne chose de faite. Non, c'est pas un boss, le chevalier sur la Gatling, mais ouais, effectivement, il est super chaud. Hein. Moi, là, les seules fois où je l'ai, les deux fois où je l'ai tué, c'était en le faisant tomber. Ah merde, il m'a vu. Tant pis. Bon, ça va. Pareil avec lui, hop, fouli. Hop. Très bien. Ils peuvent être effectivement très casse-couilles ces deux-là et faire très très mal, mais bon, j'avoue que faut que je pense plus souvent au counter hit. En plus, c'est pas comme si c'était très dur avec leurs grosses haches, ils sont bien bien lents. Merde, il m'a vu. Ah, il m'a vu. Ça sent le pâté. Oh zut, j'avais le counter. C'était garanti que j'allais me faire gangbang. C'était garanti. Et plutôt que de courir, je vais les combattre quand même. Putain, c'était évident. Merci Oneself, merci d'être passé.
Ah. Putain, j'ai tellement dormi cette nuit à cause du décalage horaire. Parti pour récupérer ses âmes. Sésame, ouvre-toi. La quatrième balle, notre ami réussit à viser à l'attaque. Attendez, où sont mes âmes? Où sont les âmes? Avec leurs gestes pleins de... Non, je m'arrête. Je t'arrête tout de suite, Yamato. À la recherche des âmes perdues. Où sont-elles, ventre Dieu? Je vais me faire guaquer 30 000 âmes, vous allez voir, ça va être vite vu. Ah, c'est toi qui les as. D'accord. Donne. Merci. Mais là sur ces ennemis c'était c'est chaud parce qu'ils ont une ils ont un truc par-dessus la tête donc tu vois encore moins bien. Mais sinon en général bon. Bon, est-ce que je me fais le boss ou pas? Ouais, c'est intéressant en plus que tu chopes.
Ah putain! Là c'est la merde! C'est la merde, c'est la merde, c'est la méga merde. Non, non, non. Oh, c'était chaud. dis donc. Eh ben dis donc. Ah, la première fois que je les ai faites, j'étais tellement violent parce qu'en fait j'y arrivais, j'avais déjà fait les deux tiers du jeu et du coup j'avais passé cette partie. Et putain, là, franchement les faire avec un peu moins de level, ouf. Ouh là là. C'est chaud, hein. Quand même claquer 3 Fire Paper, hein. C'est pas super cool quoi. Welcome. What is it? Very well. Let me. Moi, je peux passer un bon paquet de... Ouais, on va passer... du coup, on va monter les points encore un peu en force. On va commencer gentiment à monter l'arcane. Voilà. Farewell, good hunter. On va pouvoir équiper les runes. Pas encore des masses, mais c'est déjà ça de prix. Alors, fortify weapon. Ah bah je peux la monter à plus 6 direct. Ah je vais pas me priver. Et là, il a upgradé la mauvaise arme. Non. Normalement c'est bon, voilà.
Ludwig Holyblade plus 6. Ah, ça passe en fire attack et du coup ça ne m'intéresse pas vraiment. Non. Je comprends pas, j'ai jamais besoin de réparer mes armes en fait. Elle se répare toute seule à certains moments, mais j'ai toujours pas compris pourquoi. Bon, ben je pense que là, du coup, en fait, si je réfléchis bien dans le jeu, j'ai atteint un checkpoint, puisque de part et d'autre de la cathédrale, c'est, enfin, du côté gauche, j'ai tout fait. Bon, à part évidemment le château plus tard quand j'aurai l'invitation, mais. Et de l'autre côté, du coup, il y a la porte avec l'amygdala, tu peux pas passer. Donc je suis obligé de faire la cleric beast. Et bon, on va essayer de terminer là-dessus. On va terminer sur la cleric beast et on va gentiment aller se coucher. L'épée, tu la trouves, je sais plus. Tu l'achètes au vendeur, mais je sais plus c'est quoi la condition. Je crois que c'est quand tu trouves un badge. Le badge du workshop, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus du tout. N'hésite pas à aller lire le wiki, il y a plein d'infos dessus. Enfin, les wikis Bloodborne en général, il y a plein d'infos dessus, Rayou. Et il y a un wiki qui est en français. Après, toi, je sais que tu t'en fous, l'anglais, tu masters. La meuf de l'église que t'as sauvée. Ah oui, bah tu vois, ouais, c'est dans. Tu vois, par rapport au point où je suis arrivé, Rayou, quand je descends, quand je veux sortir, sur la droite il y a une porte avec un ascenseur et il y a une tour. Bah tu montes tout en haut de la tour et tu trouves un badge. Et le badge en fait il permet de débloquer l'épée chez le vendeur. Easy.
Nextez-moi ça! Ça fait juste une cinématique. Ah, je suis désolé, je vais vous spoiler, mais je vais la regarder parce que je m'en rappelle plus. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know, you think now to betray me. No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave. D'accord, c'est là qu'il te donne le mot de passe, ok. Donc, je vais pas me faire chier à repasser par... Voilà, ça y est, on passe en mode nuit maintenant. Non mais sois pas désolé hein, de toute façon après c'est vraiment une question de préférence certes, mais c'est pas impossible hein. C'est pas impossible qu'elle soit mieux, le doublage français est très très bon pour une fois. Ouais, il y a une attaque sautée mais il n'y a pas d'animation sur les boss, c'est dommage. Ah.
Bah, elle est où la lampe? Elle est là. Non, elle est pas là, la lampe. Elle est là, je l'ai vu. Voilà, on commence à choper des gemmes un peu plus sympas, comme ça demain soir on sera encore plus powerful. La Dark Beast du moulin. Tiens, de quoi tu parles, Datara? Je savais même pas qu'il y avait une Dark Beast au moulin. J'en ai juste trouvé une à Old Yharnam, là, avec le raccourci, mais... Ah oui, ça fait un bon bonus ça. Bah Fakir, en fait je sais pas s'ils sont tous pourris parce que je les ai pas encore utilisés personnellement, mais c'est des items. Ah, le Lautrec, enfin le Lautrec Yurt, c'est une Dark Beast en fait. Moi je l'ai envoyé à l'infirmerie, il a été transformé en truc à manger, c'était cool. Well, what is it? Very well, let... Alors, demain ce sera pas 21h, ça on commencera plus tard parce qu'il y a le... Je fais une émission d'abord qui s'appelle le Player Club, à la radio des internets. Donc on commencera à 22h. About the goal, but I am a doll. Would you ever think to love me? Of course, I do love you. Isn't that how you? Bon, eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a déjà fait un bon bout de chemin. Il n'y a pas eu beaucoup de fails. C'est plutôt très bien passé même. Donc en tout cas, oula, attention. Ok. Donc en tout cas, ben on se retrouve demain. Voilà, comme prévu. Puis sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles, bah écoutez, bonne nuit, bonne soirée, bon courage pour ceux qui bossent demain matin, etc. etc. Et puis bah du coup, des bisous. Voilà, parce que c'était la soirée. Thank you.